Donc voilà, je suis rouge. Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'arrive à vous avec une nouvelle vidéo. Là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe, t'es habillée trois fois pareil? Mais désolé, j'avais plein de vidéos à faire et voilà quoi, il fallait que je les fasse. Donc je me dis, autant les faire aujourd'hui, j'ai pas la publier aujourd'hui même, mais au moins j'aurai quelque chose à publier. Donc je vais vous faire une petite revue pour mes cheveux parce que enfin, ils sont passés à beaucoup de stades dans leur vie là. Mais là, je pense que cette couleur, elle va rester plus, enfin, définitivement même, le magenta. Donc, en fait, c'est pas la couleur que j'ai là maintenant. En fait, avant, j'avais pris cette couleur, une crème décolorante à l'aloe vera. Et il y avait cette... C'était comme ça. Et ça, en fait, c'était une couleur genre bordeaux. Je vais vous mettre des photos de comment j'étais. C'était bordeaux, c'était vraiment très beau. En plus, le truc c'est que j'avais besoin d'une couleur encore plus... peu plus rouge. Bon, je vous raconte. Bon, aujourd'hui, hier, j'ai refait ma teinture. J'ai refait ma teinture. J'ai changé de produit. Je fais plus celui-là. Je suis passée à celui-là, Magic Contrast. Magic Contrast. J'achète ces produits-là dans chez un grossiste de coiffure. Donc, c'est une crème de beauté mèche au high chroma TM. Ces couleurs magenta, rouge magenta. Et autant vous dire que je suis trop contente, vraiment trop contente. Enfin, j'adore cette couleur, je trouve qu'elle me va très bien. Bon là ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas de repousse, mais quand il y a de repousse, je trouve que ça c'est encore, je trouve que c'est encore plus beau parce qu'en fait ça va aller avec mes sourcils, parce que là vous me dites que là t'es rouge, là t'es noir, là t'es rouge, là t'es noir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, voilà, ça va aller avec mes sourcils quand il y en a un peu. C'est juste que je l'ai fait hier, donc voilà. Et c'est tout. Donc, moi, c'est moi qui l'ai fait toute seule, ma teinture. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, du coup, vu que c'est une boîte de... Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. C'est 50 ml. Je le casse avec de l'oxydant à 30 volumes. Voilà, il n'y en a pas beaucoup pour des locks, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est parfait pour moi parce qu'au final ma priorité c'est vraiment mes repousses, voilà, parce que voilà. Et là c'est bien parce que c'est un peu plus foncé, la longueur est un peu plus foncée, le bas est un peu plus foncé, et c'est pas toutes les locks qui ont la même nuance. Donc il y a des locks qui ont nuance un peu plus claire que d'autres, et franchement j'aimais bien. Enfin au début je voulais tout pareil, et après je me suis rendu compte que en fait non, c'est mieux comme ça, parce que là même quand je fais des chignons ça fait des trucs trop beaux. Là je vois, là elle est plus claire, là plus foncée, enfin ça fait une trop belle nuance et j'aime trop ça. Donc je suis contente, je suis vraiment contente de cette couleur, j'adore ma couleur, je pense que je vais rester comme ça un bon moment. Je vais pas dire toute ma vie parce que je sais pas. Mais franchement, c'est la couleur qui me va le plus, je trouve. Le noir, c'était pas assez. J'aime bien ça. Le blanc, c'est un peu trop. Ça m'allait bien, mais bof. Mais là, le rouge, j'ai envie de dire. Voilà quoi, je pense que je vais vraiment garder cette couleur-là. Donc, Magic Contrast, 14 €. Après, il y a d'autres couleurs qui ressemblent beaucoup à celle-là, parce que ça, c'est la version professionnelle. Il y avait quoi? Mince. C'est L'Oréal Magenta. Je vais vous mettre la référence du produit et tout ça. Mais voilà, c'est un produit que toutes les Américaines utilisent. Il est un peu moins gros, je pense qu'il est à 30 ml. 30 ml, 35 ml.
Il est à 6 euros sur Amazon. J'ai calculé au final, ça me revient au même ou un peu plus cher parce que il y a les frais de port. Non, non, même pas. En fait, ça me revient au même, il me semble. Mais c'est juste qu'au final, enfin, autant acheter un produit comme ça, 50 ml, bam, tout de suite, que attendre que ça vienne. Parce que vu que c'est le même prix à peu près, voilà, autant que je l'achète maintenant, je sais où est mon grossiste, je le prends. Donc voilà. Et pour celles qui n'ont pas de grossiste et qui cherchent désespérément ce produit, je vous conseille d'aller sur Amazon. Je vous mettrai la référence aussi en bas. Et franchement, j'aime trop ma couleur en vrai. J'aime vraiment ma couleur. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire encore sur le produit? Donc c'est L'Oréal Professionnel Paris. Et c'est tout, c'est tout. Donc rouge, magenta. Et c'est tout, la boîte est comme ça. Pour celles qui veulent la référence de celui-là aussi, c'est celui-là, c'est ça. Je vous mettrai des photos. Et franchement, j'aime. Donc voilà, un peu de changement. Donc je t'ai la prochaine vidéo. Là, j'arrête vraiment. Il n'y a plus de vidéo. C'est fini. Enfin, vous me voyez aujourd'hui. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas les pouces en l'air. Et je vous dis bye. Doussos!